Amen. Je prophétise que tes ennemis deviennent ton mâchoire. Je t'ai pas encore entendu parler. Je prophétise que tes ennemis deviennent ton mâchoire. Que tu mâchoires. Que tu marches sur la sorcellerie. Que tu marches sur les seigneurs. Tu dois marcher sur l'échec, la pauvreté, la misère, la stérilité, le célibat. Au nom de Jésus-Christ. Marche, marche, marche. 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 Que celui qui est assis sur ton mariage cède le trône de ton mariage. Au nom de Jésus. S'il ne veut pas céder le trône, qu'il meure au nom de Jésus. Parce qu'il a fallu la mort de Saül pour que David prenne le trône d'Israël. Celui qui assiste au trône de Saül, il sait le trône de ton mariage, de ton bailleur, de ta fécondité, de ta prospérité. S'il ne veut pas le faire, je prophétise sur lui la mort. Au nom de Jésus, avant la fin de l'année qui tombe. Au nom de Jésus. De ton héritage. Le diable est vaincu. Je sème dans ta vie la gloire. Afin que tous ceux qui te verront désormais glorifient le nom du Seigneur. Que tu sois la tête désormais dans la queue. Tu seras la tête et dans la queue. Tu seras toujours aimé, maintenant en bas. Au nom de Jésus-Christ. La vie soit un témoignage à la gloire de Dieu. Que tu prospères. Que tu prospères à tous les gens. Prospère. Prospère. Mais tout ce que tu vas toucher, prospère. Au nom de Jésus. Que ton amour prospère. Je sème dans ta vie la prospérité. Je sème dans ta vie la prospérité. La vie déclare. Et le Seigneur sème la parole. Et le Seigneur. C'est pas la parole de Dieu. Je sème dans ta vie la guérison. Que ton vent dit stérile, ce vent devient un vent de fécondité. Au nom de Jésus, ton vent va tout ce mois des enfants. Parce que toute fois qu'on a parlé d'une stérile, elle a mis un vent des Samuel, elle a mis un vent des Samson, elle a mis un vent des Jean-Baptiste. Ton vent, je te vends, c'est une année. Recevez le miracle de l'opportunité. Ce qui ne pouvait pas recréer une onction particulière ce soir. Une onction particulière. Comment ça ferait le miracle de l'opportunité? Tu ne voyais pas tes monstres. Comment déjà un miracle dans ton enfant? Dieu s'en fout de la mère pauvre. Ils s'en foutent de la mère pauvre. Ils sont un miracle. Je combats le pouvoir de la table, le pouvoir de la table, le pouvoir de la table, je combats, je combats ce jour, je combats le pouvoir, je fais ton prophétique, c'est un moment prophétique, Dieu te libère, et tout le monde a dit le temps, cette maladie, localiser le pouvoir, loger le pouvoir, est brisée, au nom de Jésus, sois libéré, le plus grand sujet, c'est Jésus.
libère de cette maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Je prophétise que tu auras des enfants. 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 Reçois. Pendant que je parle, le miracle de Dieu te touche. Quelque chose se produit en toi. Quelque chose se produit en toi. Regarde, quelque chose se produit en toi. Quelque chose attache sur toi. Quelque chose se passe sur toi. Quelque chose se passe. Dieu fait tomber la stérilité. Dieu fait tomber la stérilité. Maintenant, mère, il fait tomber la stérilité. Il fait tomber la stérilité. Il fait tomber. 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 Reçois ton miracle. Jésus a dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Amen. Il a appris que Lazare était malade. Il dit, cette mort est pour la gloire de Dieu. Amen. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Amen. Pour que les gens reconnaissent que Jésus est puissant. Oui, c'est ça qu'il dit. Il t'ont donné cette maladie pour que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Pendant que je parle, la maladie disparaît de ton corps. Pendant que je parle, la maladie quitte ton corps. Et Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. La maladie disparaît. Amen. Cette maladie quitte ton corps. Amen. Elle disparaît maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu étais impuissant. Dieu te guérit. Amen. Tu rétablis tout. Tu avais l'insuffisance rénale, Jésus-Christ te guérit. Amen. Tu avais le diabète, mon Jésus te guérit. Amen. Tu avais la maladie des tensions, Jésus rétablit ton système cardiaque. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ, le plus grand cardiologue, il règle ton cœur. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Tous ceux qui ont un problème de cœur, recevez le miracle de Jésus. Il touche ton cœur. Il rétablit ton système cardiaque. Il te guérit maintenant. Il te guérit. Son nom c'est Jésus. Il te rétablit. Il est souverain, il est puissant Jésus. Il a vaincu la maladie. Et Jésus avait tout est accompli. L'accomplissement de ton miracle. L'accomplissement de ta délivrance. C'est pour ça que dans sa présence, Jésus te rétablit. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Jésus te rétablit. Au nom de Dieu, je te délivre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. De toute forme dans votre monde. Amen. Il y avait une programmation vie. Jésus te délivre dans votre monde. Jésus te délivre dans votre monde. Oui, je t'ai envoûté. Maintenant, Jésus te délivre. Oui. On vous avait fait manger des choses en rêve. On vous avait envoûté. Maintenant même, pendant que je parle, la puissance de Dieu vous délivre, la puissance de Dieu vous délivre. Recevez le miracle de Jésus. Recevez le miracle. Jésus vous délivre. Jésus vous délivre du pouvoir de l'environnement. Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Que tout ce que vous avez mangé de moi, mystiquement, doit disparaître de votre corps. Au nom de Jésus. Recevez le miracle. Recevez le miracle de Jésus. Reçois. Reçois. Parce que tu sortiras de ce programme délivré dans le nom de Jésus. Tu sortiras de ce programme délivré. Reçois maintenant ta délivrance. Reçois ta délivrance. Oui. Oui, tu entends de vomir tout ce qu'ils t'ont fait manger en rêve. Tout ce qu'on t'a fait manger. Mystiquement, on est sorti de ton corps. C'est encore les bâtards. Il sortit de ton corps. On peut les sortir.
J'appelle les serpents de ton corps. Oui. Voici le miracle de Jésus. Voici le miracle de Jésus. Aucun démon ne peut résister la prison dans la prison de Dieu. Jésus, la Bible dit, il est apparu en train de détruire les cœurs du diable. Jésus détruit les yeux de la pauvreté. Tu avais l'argent, quand tu as l'argent, ça ne te produit jamais. Lâche-la. Tu vas partir. Si tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Maintenant. C'est toi. Monsieur, vous avez détruit leur argent. Vous avez semé la pauvreté dans la vie de ces femmes, ces hommes. Je détruis l'esprit de pauvreté dans vos vies. Au nom de Jésus. Je vous libère de la mer percée. Je vous libère de la pauvreté. Je vous libère de la misère. Recevez le miracle de Jésus. Recevez le miracle de Jésus. Recevez. Ah, reçois. Reçois. Tous ceux qui ont des problèmes de même personne. De même personne. Dont l'argent n'arrivait pas à rester. Le Saint-Esprit de vous touche. Il vous délivre de la pauvreté. Il vous délivre de la misère. Il vous délivre de la misère. Il vous délivre de la pauvreté. Recevez le miracle. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Si. Je ne veux pas. Qui es-tu? Elle va me servir. Elle doit me servir. Qui es-tu? Elle refuse. Je suis le talent. Je suis le talent. Elle refuse de m'obéir. Elle refuse de me servir. Elle a été appelée. La puissance de Dieu vous touche. Vous êtes appelé à être grand. J'ai appelé à être riche. J'ai appelé à être riche. Et la sorcellerie a détruit cette richesse. Fait que ta vie ne fait que une voie de dette, d'endettement, d'endettement. Tu ne fais que t'endetter, c'est la misère. Tu es toujours humilié. Tu es constamment humilié. Jésus a connu l'ignominie pour ne plus que tu aies honte. C'est pour ça qu'il a diminué à la croix. Jésus a vécu cette dette. Jésus a pris la dette. Tous ceux qui sont endettés, je vous communique l'option. Pourquoi vous pouvez vous payer vos dettes? Au nom de Jésus. Que vous soyez délivrés de l'endettement. Au nom que vous ne soyez pas esclaves des gens. Au nom de Jésus-Christ. Que le diable restitue votre argent. Recevez votre argent. Au nom de Jésus. Je vous établis dans la richesse. Je vous établis dans la richesse. Maintenant. Oui, je vous établis dans la richesse. Oh, je vous établis dans la richesse. Je prophétise que tu seras riche. Chaque fois compter les millionnaires, tu feras partie. Des millionnaires ici encore du roi, on parlera de toi dans le monde entier. Parce que Jésus-Christ s'est donné à la croix afin que tu sois riche. Dès que tu quitteras ce programme, les portes de la richesse seront grandement ouvertes devant toi. Et tu rentres dans un monde à faire pas possible. Dieu bénira les fruits de ton travail. Je vous établis dans les grâces de Dieu. Et la famille de Dieu s'attache à vous. Et que l'an 2016 soit pour vous une année de victoire. Victoire sur la pauvreté. Victoire sur la misère. Victoire sur la mort. Je prophétise que tu ne mourras pas. Que la mort retourne dans le camp du diable. La mort retourne dans leur camp. Ceux qui ont proclamé ta mort, je proclame sur eux ta mort. C'est ta mort. Que la mort, que ce soit le retour à l'envoyeur. Que la mort retourne dans leur camp. Vous qui m'attendez depuis l'Europe, depuis ton salon en Europe, en France, dans un pays européen, dans un pays asiatique, dans un pays du continent américain, pendant que tu m'entends, nous sommes aujourd'hui samedi 19 décembre 2015. Je prophétise sur toi la grâce de Dieu depuis ton salon. Que tout ce qui était prophétisé sur toi soit annulé négativement, soit annulé. Programmation satanique est annulée. Que je sème dans ta vie la prospérité. Je sème dans ta vie la vie. Que l'année 2016 soit pour toi une année de victoire. La grâce de Dieu s'empare de vous maintenant. Reçois une onction particulière. C'est l'onction qui faisait que Saül avait peur de David. Parce que David avait commencé à scintiller. Il voyait la gloire de Dieu sur lui.
que la gloire de Dieu, que ton étoile commence à briller. Amen. Vous savez, on dit l'étoile brillante du matin. Non seulement que l'étoile brille dans la nuit, mais ton étoile brille à la nuit et même dans la journée, ça doit briller. Ça doit briller dans la journée. Pas dans la nuit seulement, c'est ça qu'on appelle Jésus l'étoile brillante du matin. Ton étoile, c'est pas la nuit, c'est pas toujours. Tout le temps, il n'y a pas de saison, ça doit briller. Que ce soit la nuit, dans la journée. Amen. Amen. Que ton mari qui est à New York puisse dire, j'ai une femme en Côte d'Ivoire, je vais la chercher. Amen. C'est eux qui vont courir. C'est la bénédiction qui doit s'attacher à toi, pas toi. La bénédiction s'attachera désormais à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et les mages ont vu de toi et de Jésus. Ils sont venus l'adorer. Avec tous les présents, les gens viendront pour te redonner tout ce qu'ils t'ont volé. Amen. Amen. Ils te donneront ton visa, ils te remettront ton visa, ils te redonneront ton mariage. Amen. Et tu auras l'homme de ta vie, Amen. Et la femme de ta vie, Amen. Les os de tes os, la chair de ta chair. Amen. 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 Dieu rétablit la paix dans ton foyer. Amen. Dieu rétablit la paix. Donc vous voyez, parce qu'il est le prince de paix. Il est le prince de paix. Je vais parler au diable ce soir. Je t'ai dit, laisse, monsieur. Laisse-le. C'est pas pour lui l'accident. Laisse-le. C'est pas pour lui. Jésus t'a vaincu, tu le sais très bien. Je proclame sur lui la délivrance. Amen. Je proclame la grâce de Dieu sur sa vie. Amen. Je communique la vie. Je vous communique la vie ce soir. Amen. Je vous communique la vie. Expérimentez la bonté de Dieu. Dieu est bon. Il dit, je suis le bon berger. Il dit, Jésus, le bon berger donne sa vie, il la donne en abondance. Il y a tout. Jésus, c'est une assurance vie. Il y a tout en Jésus. Il y a le mariage. Il y a la fécondité. Il y a la prospérité. Aucune personne sur la terre ne peut vous donner ça. Seul en Jésus. Il dit, tout est accompli. Console-toi avec cette parole. Parce que tu verras des grandes choses se produire dans ta vie. Amen. Désormais, la nourriture ne manquera plus chez toi là-bas. Amen. Tu vas constater même à la banque, tes gens seront étonnés de voir ton argent se fructifier. Parce que l'ange l'éternel va visiter ta banque. L'ange l'éternel visitera ta banque. Il te positionnera dans ta banque. Les gens vont commencer à te respecter. Parce que ton Dieu est celui qui appartient l'or et l'argent. Ton Dieu est celui à qui appartient l'or et l'argent. Il te donne la prospérité. Tu marqueras la différence des hommes. Oui. Tu ne seras pas la risée des gens. Non. Parce que Jésus a vaincu ce monde à la croix. Il a donné lui en vie. Reçois ta grâce et sois béni. La maladie est vaincue pendant que je parle. Oui. Le miracle en train de s'opérer dans vos vies. Le miracle en train de s'opérer dans vos vies. Le miracle en train de s'opérer. Ton mari est en route. Oui, il est en route. Il va chercher à venir te prendre, partir avec toi. Ils avaient pensé que j'avais tout gâté. Mais Jésus vient de tout rétablir. Parce qu'on appelle le réparateur des branches. C'est Jésus qui vient de le faire. Il rétablit tout la croix. Je vous communique une onction spéciale. Une onction de la royauté. La royauté. Et tu t'assois sur le trône. Parce que tu es roi et tu es une reine. C'était ta vie au nom de Jésus. L'argent ne doit plus te manquer. Non. La nourriture ne te manquera plus jamais. Recevez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Qui avant cette fin d'année, que vos ennemis tombent. Parole du maréchal de la brigade anti-sorcier. Que vos ennemis tombent. Si même les ta mère, si c'est même ta mère, ton père, ton frère, ton mari, ta femme, tombe au nom de Jésus. Il tombe.
qui soit frappé d'un AVC, qu'il meure dans l'AVC. Au nom de Jésus. Parce qu'il t'entend maltraiter. Qu'il soit foudroyé par l'AVC. Puis qu'il crise, qu'il tombe, qu'il meure, qu'il ne s'en sort plus, ton sorcier. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame encore Jésus plus tard. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus de Nazareth encore plus tard. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Bénis le nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que c'est que nous n'avons pas fait les derniers bains? Venez, je vais faire vos bains. Ceux qui ont écouté, venez ici rappelez-nous.